Psychodrame chez les écologistes limougeaux, ils sont coupés en deux. Et ce, malgré quatre réunions. Samedi, dernière confrontation et toujours 50-50. EELV a donc inventé à la place un système de points. Résultat 44 pour ceux qui refusent une alliance avec Alain Rodet, le maire sortant, et 47 pour ceux qui veulent participer à cette liste socialiste. Alors, les gagnants vont-ils devoir avaler leur chapeau sur des dossiers comme la LGV, un des gros points de désaccord avec le maire? Sur la LGV, nous avons acté notre désaccord. Nous avons dit à M. Rodet que nous ne voterions pas en faveur des propositions sur la LGV. Les choses sont claires. Donc nous, voilà, on sera dans notre rôle, on verra. De l'autre côté, ceux qui estiment que dans le cas précis de Limoges, ce choix d'alliance est dramatique. Le système Rodet, c'est un système que je trouve absolument terrifiant parce qu'il est en place depuis 25 ans et que c'est un système qui n'a jamais accepté le débat avec l'opposition. Il n'y a pas de vraie construction ensemble de ce qui est bon pour la ville de Limoges. Il y a un vieux monsieur qui est là maintenant depuis 25 ans, qui donne ses ordres, qui donne ses décisions et qui punit quand on ne fait pas ce qu'il veut. Et certains de ces frondeurs seraient prêts à partir vers la future liste Front de Gauche qui leur tend les bras. Demain, il est tout à fait possible et souhaitable d'ailleurs que si des militants d'Europe Écologie veulent nous rejoindre pour constituer une liste au premier tour des municipales, bien je peux dire que nous les accueillerons, il n'y a pas de souci là-dessus. Évidemment, les partisans de l'alliance avec le maire de Limoges auront des places éligibles, dont un ou des postes d'adjoints. C'est ça aussi la réelle politique.